Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Je pense que la discussion a pris la bonne direction, puisqu'en fait, autour de cette table, paradoxalement, se sont rassemblés un grand nombre de personnes qui n'ont pas de relation particulière avec le Grand Nord, mais qui vont permettre d'aborder des aspects de l'espace spirituel, en fait, l'aspect spirituel de l'espace. Для меня Север был эпизодом очень важным эпизодом личной географии, личной биографии. И можно сказать, что это было своеобразное испытание на мужество, что ли. Я должен был пройти через очень трудную задачу описания неизвестного пространства новым языком. En ce qui me concerne, le Nord a été un épisode important. Alors là, je vais vous traduire, parce qu'il y avait un lapsus, je pense que ça vaut le coup de le traduire, de ma géographie personnelle. Et Vassili s'est repris et a dit biographie. Et donc, en fait, pour moi, ça a été une sorte de confrontation, d'expérience de virilité et justement enfin de bravoure, quelque chose qui de courage et qui consistait à essayer de décrire des espaces nouveaux avec une langue nouvelle. Потому что было бы очень легко, как Donc, il m'avait semblé très simple, comme dans la littérature, comme ça a été fait de nombreuses fois dans la littérature postmoderniste, de critiquer l'Union soviétique. Il m'avait semblé que c'était une tâche simple et qui avait déjà été faite de nombreuses fois. Первоначальная задача книги, которая появилась во Франции, это была заключалась как раз в том, чтобы Главный принцип был не ругать. La principale tâche de l'ouvrage, donc, qui a été traduit en français, L'éloge et les voyages insensés, était le principe qui consistait à ne pas critiquer, à être dans la description positive d'une nouvelle expérience. Это не было простой задачей, и когда это не было простой задачей. Donc c'était une tâche qui s'est avérée très difficile et qui a pris 5 ans de ma vie. Et je me souviens que le premier jour de mon voyage sur l'île, j'ai écrit 18 mots dans mon carnet. Ensuite je vois ce livre et je vois qu'il est devenu quand même assez volumineux. Et il se trouve que cette tâche était épuisée, elle était terminée. И потом с возрастом возникают совершенно разные задачи. Я не являюсь профессиональным писателем. Je suis un aventuriste dans le sens le plus pur et le plus profond de ce mot. Et puis, je commence à écrire. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont des problèmes de l'homme qui a presque 50 ans. Et c'est l'autre espace, l'espace du Sud, avec les centres, ces centres culturels, ces propres centres culturels, des figures culturelles. Comme par exemple la figure de Platonov dont a parlé Vlad Toshenko hier, et par exemple la figure de Khlebnikov. Je crois que Ivan va nous raconter cette histoire intéressante. Pour aujourd'hui, je travaille. Ce n'est pas un livre encore, c'est un tas de textes. Qui s'appelle la géographie totale de la mer Caspienne. À l'époque de l'Union soviétique, la mer Caspienne, à l'exclu de Sud, qui appartenait à l'Iran,
était la mer antérieure soviétique. Mais aujourd'hui, une petite... Сегодня только маленькая полоска берега принадлежит России, а вокруг располагается айкумена совершенно других народов, тюркских народов, мусульманского мира. Donc aujourd'hui, en fait, une toute petite bande côtière de la mer Caspienne appartient à la Russie, le reste étant occupé par l'œcumène de peuples absolument différents, principalement turcs et musulmans. Et la tâche, et la nouvelle tâche est peut-être de créer une autre image du monde, une autre image de moi-même. Je ne sais pas comment je vais agir dans cet espace, parce que les premières aventures autour de la mer Caspienne, elles ont un caractère bien bouleversant, brutal. J'ai trouvé des amis. Je n'ai pas encore trouvé des ennemis, mais peut-être. Et voilà.